Maman, vous êtes revenue. On a eu très peur, mais tout va bien maintenant. Ah oui, tout va bien, c'est sûr. Oui, mis à part le fait qu'ils ne nous ont pas servi de petits fours, tout va parfaitement bien. Alors, qu'est-ce qu'ils vous ont dit au commissariat? Rien de spécial, vraiment. Ils ont pris nos dépositions et ont vérifié qu'on ne cherchait pas à sortir du pays. L'important, c'est qu'on soit tous ensemble. Ici, au moins, on sert des petits fours, pas vrai, Maggie? Si c'est un sous-entendu, j'y vais tout de suite. Mais avant, je tiens à vous dire que vous m'avez beaucoup manqué. C'est gentil. C'est vrai, la maison était vide sans vous. Maggie. J'avais personne à qui parler. Pourtant, votre petit ami était bien là, lui, non? Si, c'est vrai, Ray était présent. Mais pour parler haute couture européenne, il faut avouer que ce n'est pas le plus loquace. J'ai d'autres centres d'intérêt. Ah, ça, je veux bien vous croire. De toute façon, vous savez ce qu'on dit. Les contraires s'attirent. Oh là 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 là, c'est quoi tout ce bruit? Qu'est-ce qu'il y a? On a une super nouvelle. Finalement, les policiers les ont relâchés. Alors, Ambre, viens faire un câlin à ton grand-père après tout ce qu'on lui a fait endurer. Non, je suis désolée, je viens de me vernir les ongles. Alors, c'est moi qui viens t'en faire. Ah, non, surtout pas, ne sois pas obligée. Voilà, c'est bon là, ça va. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi l'histoire? C'est assez long à expliquer, je te la raconterai plus tard. Ce qu'on doit faire maintenant, c'est faire la fête. Attendez, Alfredo, on sait tous que vous êtes infatigable, mais ce n'est pas notre cas. Alors on va se coucher. N'oubliez pas que même s'ils nous ont relâchés, la plainte n'a pas été retirée pour autant. Luna, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas bien? Oui, ça va, tout va bien. Je viens de me souvenir que quand ils vous ont emmené, j'ai cru voir une voiture conduite par Madame Benson. Quoi? Sharon? Quoi? Madame Benson? Est-ce que tu es sûre de ça? Il n'y a pas de doute, je suis sûre de moi. C'est juste qu'elle avait beaucoup changé. Elle avait les cheveux coupés très courts et ils étaient plus de leur couleur naturelle, ils étaient bruns. Elle se serait coupée et teint les cheveux. C'est étrange. C'est vrai que sur le moment, c'était vraiment bizarre. Et puis en un clin d'œil, elle avait disparu. Et peut-être que je me suis trompée. C'est normal qu'après ce qui est arrivé, on soit tous affectés. C'est peut-être le stress qui t'a fait imaginer tout ça. Oui, peut-être. Ça a été une journée très difficile et il nous faut à tous du repos. Bah, et les petits fours alors? On ne va pas faire la fête? Bon, d'accord. On ne pourra pas m'en vouloir d'avoir essayé. On ferait mieux d'aller se coucher, mais on s'en va tous demain matin, d'accord? Ça vous fera du bien. Bonne nuit. Merci à vous. Demain. À demain. Bonne nuit. Merci. Bonne nuit. Bonne nuit à vous aussi. Ambre? Tu ne vas pas te coucher? Quoi? Eh bien, si. Vas-y, monte. Je te suis.